Bah, je suis très motivée. Voilà, sûr que j'avais pas les meilleures sensations autour de Suisse où j'ai été malade, mais là je me sens bien. Je suis vraiment motivée pour demain. Ouais, c'est un parcours qui peut te convenir avec tes qualités de grimpeuse, de puncheuse. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme sur les classiques flandriennes où ça monte pas mal. Je pense que ça peut me convenir avec le dénivelé qu'il y aura. Ouais, il va pas falloir se faire piéger. Vous êtes que trois dans l'équipe finalement. Est-ce que c'est le plus gros danger pour demain? Ouais, bah, trois dans l'équipe, pour moi, c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai l'habitude. J'étais souvent toute seule. L'année dernière, on était deux avec Léa Curinier. Donc, trois, c'est déjà bien. Et je pense que justement, on peut jouer un peu plus sans avoir trop de pression parce qu'on n'est pas beaucoup comme les grosses équipes. Ouais, le but, ça va être de suivre quand même la FDJ Suez qui sont toujours favorites. Est-ce qu'il y a des filles qui se détachent parmi ce collectif? Physiquement, je dirais plutôt Evita Music. Sur un parcours comme ça, pour moi, c'est elle la favorite physique. Après, quasi toutes les filles de la FDJ sont fortes, donc faudra se méfier de qui sera en échappée. Ouais, il y a Audrey aussi qui est la championne sortante. Tu penses qu'elle peut, ouais, ça peut être une cliente quand même? Ouais, c'est sûr qu'elle a pas été en forme comme d'habitude cette année, mais Audrey, elle est toujours en forme au championnat de France sur le jour J. C'est une femme de championnat, donc elle sera forte demain, je pense. Ouais, pour toi, c'est le maillot ou rien finalement? Oui, sur une course comme ça, je pense que de toute façon, c'est une course où tout le monde veut le maillot. On se rappelle un peu moins des deuxième et troisième places, même si c'est pas rien, faut quand même pas cracher dessus. Mais voilà, sûr que le maillot, c'est le plus important. Ouais, c'est beau aussi de courir après avec le maillot bleu, blanc, rouge sur les courses. Bah, c'est ça, ça serait une fierté. Et voilà, j'ai pu le faire quand j'étais jeune ou alors en chrono chez les élites. Donc c'est déjà quelque chose de particulier, mais sur route, je pense que c'est vraiment exceptionnel. Ouais, tu seras peut-être sur le Tour de France, ça sera encore quelque chose en plus. Ouais, c'est ça, d'être sur le Tour de France avec un maillot bleu, blanc, rouge, je pense que ça peut presque pas être mieux.